fut une époque où nous étions bien plus puissants. C'était il y a longtemps. En attendant le jour de son éveil, je suis celui qui parle pour le voyageur. Vous avez sûrement de nombreuses questions, gardien. Avant de s'éteindre, le voyageur a créé les spectres dont la tâche est de trouver ceux qui sauront se servir de sa lumière comme d'une arme. Des gardiens qui pourront nous protéger en lieu et place du voyageur. Que lui est-il arrivé ? Je pourrais vous parler de cette guerre il y a bien longtemps. De l'agonie du voyageur. Vous parlez du pouvoir des ténèbres, son ennemi de toujours. Dans la cité, on raconte ces histoires pour faire peur aux enfants. Quoique plus tellement aujourd'hui. Les enfants n'ont plus besoin de ça pour avoir peur. Les ténèbres sont de retour. Cette fois, nous n'y survivrons pas. Ces armées nous encerclent. Les déchus n'en sont qu'à premier aperçu. Que puis-je faire ? Vous devez repousser les ténèbres. Les gardiens se battent sur terre et ailleurs. Rejoignez-les. Votre spectre vous guidera. J'espère juste qu'il vous a bien choisi. Ça, j'en suis sûr. Maintenant, nous sommes inséparables. Thank you.
Il n'aurait jamais dû quitter la prison des vétérans. Je vais prévenir l'avant-garde et le prêtre Archonte est mort. Il y a un prêtre Archonte de moins. Parfait. Mais si les déchus savent où se trouve la prison des vétérans, ce type d'attaque risque de se multiplier. Pour l'instant, fêtons notre victoire.